Et bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Nous voilà repartis sur un épisode de Factorio Space Exploration Crastorio. Donc, à l'épisode précédent, on avait automatisé la production de biomasse. Pourquoi il marche pas celui-là? Mince. J'ai oublié de raccorder le gaz de pétrole. La production de biomasse pour la science grise. Donc j'en ai rajouté déjà deux et là je pense que on doit en avoir un petit peu plus. Donc j'ai fait un stockage en fait ici. 300, on peut en refaire un. Dommage. Et voilà. Et qu'est-ce qu'on a fait en attendant? Parce qu'on n'a pas fait que ça quand même. On a aussi mis en place. J'y vais. On va y aller. J'ai mis en place une production en fait de poutre en acier afin de faire les pylônes électriques, les grands poteaux électriques et les diffuseurs, les postes électriques. Donc voilà. Parce que on s'est aperçu que ça va être ça qu'on va utiliser le plus. J'ai pas mis la prod, je pourrais, tiens, de poteaux électriques basiques, mais je pense qu'on va éviter de les faire. Voilà, le but étant maintenant qu'on passe quand même au poste électrique. J'en ai fait bien trop, comme d'hab. Voilà. Ça dégage du coup. Et on met les postes électriques. Voilà. Et en dessous, on va. Non, j'en ai pas besoin parce que ça, en général, j'en ai plus. Dans le bénéfice du doute. Ouais. Ok. C'est quoi? C'est. Oui, j'imagine bien que ce soit ça qui plante. Ah non, c'est les barres de fer. Ah, mais les barres de fer. Ah oui, clairement, c'est les barres de fer. Voilà. Mais ça aussi, j'en ai trop. On est d'accord. Voilà. Voilà, on a mis ça en place. On les a pas mis sur le bus parce que ça va être les finales. Et du coup, on s'est dit, mais si on ne met pas sur le bus, ce serait quand même cool qu'on s'attaque aux robots. Voilà. Donc là, la mission aujourd'hui, ce ne sera pas les robots. Ce sera la préparation pour les robots, je pense. Soyons concrets. 185, c'est pas suffisant. Donc, pour faire ça. Donc j'ai lancé toutes les recherches, mais on s'est aperçu qu'il nous fallait. Alors, ici, parce qu'il nous faut. Alors on va partir deux robots, ça ira plus vite. Les robots de construction, ceux qui nous intéressent. Il nous faut deux circuits électriques, ça c'est facile. Mais des châssis de robots volants, ça c'est toujours la partie difficile. Composants électroniques, on a. Éléments de moteur électrique, on n'a pas. On a les moteurs électriques, mais pas les composants de moteur électrique. Les batteries, on n'a pas. Donc la mission aujourd'hui. C'est les éléments de moteur et les batteries. La batterie, on va aller. Je vais essayer de les mettre ici. Les intercaler quelque part. Ou alors on verra. Peut-être que je le mettrai ici, je pense. Et on le fera sortir. Là, nous, on va s'intéresser aux éléments de moteur. Pour faire des éléments de moteur, il me faut. Alors, il me faut circuit électronique. On a small electric moteur. On a plaque de fer, d'acier. On n'a pas lubrifiant. Souci. On l'a pas. Et ça, c'est utilisé pour faire énormément en fait d'objets. Donc, qu'on va finir par automatiser, hein. Voilà, ouais, ça, autant vous dire qu'on va les automatiser. C'est ce qui va nous permettre de construire, mais dans l'espace. Voilà, les différents laboratoires. Donc, c'est pas des trucs qu'on va one shot. On va vraiment en avoir besoin. Des fixations pour amarrage de vaisseaux. Voilà, je pense qu'on va en avoir besoin énormément. Donc, on va le mettre ça sur le bus. Donc, on va y aller. Mais avant, il nous faut les lubrifiants. Allez, pour faire le lubrifiant, ça, c'est comme dans le jeu de base. On ne peut pas le faire avec le système actuel. Il faut qu'on transforme notre. C'est quoi la recette? Le gaz de pétrole. Par. Alors, attendez, c'est lequel? Il faut que je regarde. Là, on a du pétrole lourd et. Merci Joker59. Oh, j'adore. Joker59. Jolie, jolie écriture. Merci à toi pour le follow. Merci beaucoup. Donc, je disais ici 90 de pétrole et 30 de. Donc, ça fait 4... ça fait 120 au total. Ici, ça fait 120. Est-ce qu'on veut plus de pétrole lourd ou plus de pétrole léger? Parce que c'est 30 et... Ah bah non. Je pense qu'on va prendre celui-là du coup. Après on peut faire un équilibre entre plusieurs, mais pour le moment je pense qu'on va faire celui-là. Ok, ça on l'a fait.
Et bienvenue à toi sur le stream d'ailleurs, je l'ai même pas dit, excuse-moi. Donc, on est quasiment à la fin des recherches. Des techniques de cartes basiques. Ok, donc maintenant on a ça. Et il va nous falloir faire des stockages. Hop, deux stockages. Voilà. Et j'ai eu aussi maintenant. On a les stockages de base du jeu à 25 000. On a débloqué les grands stockages à 50 et les stockages à 200. Voilà. Tiens, bon, on le verra plus tard, si jamais. Ok. Alors où on va se mettre? Alors je pense que pour le lubrifiant, pour le pétrole lourd, bon, alors déjà, soyons honnêtes, on fait toujours la même chose. Voilà. Vous, on vous connecte. Toi, on vous connecte. Voilà. Donc. Est-ce que je me mets là? À quoi ça servirait? Pas à grand-chose. Je pense que ça sert à rien. On va se mettre. Alors le problème c'est que là, si jamais je voulais pousser. Mais on va se mettre comme ça, regarde. Hop, ici et ici. Avec des pompes. On aime bien les pompes. Et c'est vachement pratique, les diffus, les ça. Et voilà. Alors le truc c'est qu'il faut pas que ça bloque pour le moment. Et le gaz du pétrole, j'ai un peu peur. Mais on va l'utiliser puisqu'on va faire. On va utiliser l'acide sulfurique. Pour faire les batteries. Donc, le lubrifiant. Alors attendez, je suis parti sur ça, mais j'ai même pas regardé. C'est pas un objet dessus, c'est un liquide. Le lubrifiant, il se craft à partir du pétrole lourd. Et dans des usines. C'est pas ça, c'est pas ça, ce n'est pas ça. Ouais, j'ai pas les. On va en faire 3. Ah, j'aurais bien aimé en faire une quatrième, il me manque des briques. Go for it. Allez! Ces petits coffres là, super méga pratique. Moi je vous le conseille. Alors, le lubrifiant, on va se mettre ici. C'est très facile à faire. Est-ce qu'on se met comme ça? 1, 2, 3, 4 et on fusionne les 4? Et on va le sortir par là. Va virer ces deux-là. Alors, par où on va le sortir? Oh, il y a une météorite qui est tombée il n'y a pas longtemps. Ah, elle est tombée là. Ok, c'est bon, il n'y a rien d'autre de pété. Nickel. Ok, on la met où? Donc je pense qu'on va faire ici. Pourquoi il n'y a que 3 là? Non, là il y a un quatrième possible. Ah oui, il n'y a même pas un quatrième possible. C'est là, c'est ça. Donc là, 1, 2, 3, 4 avec celle-là. 2 d'espace. 1, 2. Donc là, mes tuyaux. 1, 2, 3 et 4. On va mettre 4 tuyaux ici. Donc, là, ce sera le lubrifiant. On aurait pu tous les mettre là, hein, d'ailleurs. Le lub, il va être là. Est-ce que j'ai besoin d'autre chose que de lubrifiant en fait en liquide? Y en a quand même beaucoup. Hein. Il y a l'hydrogène aussi qu'on n'a pas monté. Donc. Allez, hop. Alors, c'est pas du tout là-dessus. Mais c'est pas grave, sur le principe, tu l'avais presque. Ok, go. Ah, là, c'est trop loin. C'est bon, ça passe. Et ça,
3 et 1. Attendez. Et c'est bon. Hop. Non. Quand ça veut pas. Oh, à un près. Vraiment? On va se mettre là. Voilà, au même niveau. Et donc là, nous avons du lubrifiant. Ok, bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Mais qu'est-ce qu'on fait? J'ai plus de lubrifiant. Donc ça, c'est cool. Par contre, on va casser le gaz léger. Parce que sinon, il va se... Alors, à quoi ça sert? Ah, t'es dessus, c'est là. Pétrole léger. Pas craft. Usage. À quoi il va servir? On peut le donc faire du craquage pour faire du gaz de pétrole, ok. Pour un télescope. Avec du beryllium plutôt qu'avec de l'acier, ok. Ah oui, donc avec de la coke plus du gaz, du pétrole léger, on peut refaire du pétrole léger. Donc ça c'est ce qu'on a dans Vanilla de base, mais avec le pétrole lourd. On peut faire du combustible solide. On peut faire du carbu. On peut faire du carburant pour fusée. Ça va être utile quand même. Il va falloir le mettre. Concrètement, ça, il va falloir le mettre sur le bus. On va le mettre sur le bus. Hop. Là, en plus, on est tagué. Nickel. Oui, alors là par contre. Du coup, ici ça dégage. Voilà. Ok, pétrole léger, on est bon. Du coup, hop. Qu'est-ce qu'il met là tout le temps? Voilà. Est-ce que je fais quelque chose de complètement inutile? Oui. Mais est-ce que ça me procure une satisfaction? Oui aussi. Voilà. Si je peux virer ces trucs au fur et à mesure. Donc ça c'est fait. Ensuite, hop, on améliore la grenade. Toujours utile. Donc, c'est au-dessus le truc que je veux. On a le lubrifiant, on a ça. On va juste se faire quelque chose. Est-ce que ça marche ça? C'était dans les technologies T. Hop, on va sur celle qu'on a déjà cherchée. On part là-dessus. Est-ce qu'on peut cramer? Ouais, on peut cramer le pétrole léger. Plaque d'acier. Go. Et j'ai mes câbles, il me faut une pompe, il me faut ça, et toi tu ne fonctionnes si et seulement si le pétrole léger est supérieur à 20 000. Voilà, tant qu'il n'y a pas 20 000, ça balance pas. Bon alors là c'est parce que ça crame un peu, mais voilà, la pompe est arrêtée. Parfait. Donc là normalement ça devrait pas se stack, on va juste faire autre chose pour être sûr. Hop, pareil, toi tu me crames si et seulement si le pétrole lourd est supérieur à 20 000. Et comme ça, on n'aura jamais de sous-produit qui bloque. Le seul sous-produit qui peut bloquer, c'est le pétrole léger, le gaz de pétrole, mais je pense pas que ça arrivera. Ok, donc pour faire les robots, craft ça. Alors, hop, on va se mettre là-haut les éléments de robots. Allez, les éléments de moteur, j'arriverai pas.
Circuit électrique, small, 2 et 2. Bon, bah c'est un 4. Donc il me faut 3 entrées. Il me faut 2 entrées en fait. Une entrée de circuit électrique. Et une entrée mixte. Oui. Là, et un... Ah, et là, ça va être... Hop, on va le faire entrer par en haut. Ok, donc, on se met au même niveau que les autres industries. Ici, c'est là. C'est là. Ah, là, parfait. Hop. Et on dit les éléments de moteur. Et maintenant, on pleure. .007 par seconde. Juste pour déconner. Pour en faire 15. Il me faut 200 machines. J'ai dit quoi? Qu'on allait pleurer? Ouais. Donc nous allons définitivement pas en faire 100. Mais bon, ce que je voulais voir en fait c'était ça. Et ça passe. Le ratio il est quand même assez faible. On va en faire... On avait fait combien de moteurs électriques? On va en faire le même nombre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Attention. Et la réponse est, j'en ai mis 25. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc là, si j'ai bien compté, normalement, voilà. J'ai compté 16 quand même au départ. Ok. Hop. Bien joué dessus. Hop. Et... Pourquoi je m'embête? Hop. Et je me demande bien où est-ce qu'on va mettre l'électricité. Parfait. Voilà. Et oui, j'avais oublié un truc. Ça, hop, tu me le mets sur la voie intérieure. Et voilà. Nickel. Et donc on est d'accord que sur les moteurs... Ouais, j'ai foutu ça. Ah punaise. Hop. Est-ce que je pourrais pas... Ah! Merci. Demi-tour. OK. Et là, toi, hop. Merde, pourquoi j'ai mis mes briques en pierre? Ok. Ah, c'est parce que j'ai mis ce clic, c'est ça. Hop, voilà. Et stop, 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 mon petit. Voilà. Ok, et là, on a fini du coup. Voilà, là, on va pouvoir y mettre les moteurs de base. Je préfère, en fait,
Enfin, les éléments de moteur qu'on vient de mettre en production. Ici, ça dégage. Ça dégage du coup. On va les continuer histoire que je me souvienne où est la ligne. Pareil ici. Ah, that is a big problem. Hop, qu'est-ce que j'ai gaulé? Oh. Ok, donc là, on va chercher donc les éléments de moteur. Hop, parce qu'il me faut, je crois, les éléments de moteur, de toute façon, pour les crafter. C'est tout en haut, c'est tout en haut. Voilà, c'est par là. Ok. Ensuite, il nous fallait des circuits électriques, des circuits électroniques verts, non? Ok. Ici, je me suis trompé. Et voilà. Qu'est-ce qu'il nous faut d'autre? On avait dit ici une belt de verre. Ah, t'es dessus. Hop. Allez, on y va. Parfait. Hop. On va rechercher des underground. Nickel. Ensuite, après les underground, c'est moteur électrique et plaque d'acier. Plaque d'acier, c'est là. Ok. Allez, un split. Toi, tu viens là. Toi, hop, hop. Ok. Et on a dit les moteurs, les moteurs. Alors. Quand on réfléchit pas, le jeu est vachement plus dur. Et quand on aime la symétrie, le jeu devient vraiment dur. Ok, et donc là normalement ça devrait être bon. Maintenant on va chercher le lubrifiant. El lubricante. C'est le premier, c'est le premier. De nature, ça m'empêche de poser bien mes tuyaux, c'est pas bon ça. Par contre, toi, t'es moche. Voilà, là, t'es plus beau. Ici, on va aller le chercher plutôt. Oh là, bon, j'aurais pu monter encore un petit peu. Ok, hop. Pas la range. Ah non, dommage. Hop, trop de nature, je vois pas mes tuyaux.
Là, il y a un souci. Non, c'est bon. Si, là, il y a un souci. En plus, j'ai 3 d'espace. Non, oui, je suis con. C'est ces deux lignes-là. Celle-là, elle est comme ça. Voilà, là, on est connecté. Parfait. Ah, je préfère. Et donc, normalement. Mais c'est beau, ça! Nice! Et donc, on doit l'amener. J'avais tiré. Hop! Hop, 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 hop. Qu'est-ce qui se passe là? Ah merde, hop, vire-moi les pierres. Qu'est-ce que j'ai en trop sur moi? Qui foire. Et voilà, nickel! Nickel, nickel, on a une production d'éléments de moteur qui est le moteur, on va dire, ultime. Sachant qu'on ne met pas le moteur monocylindrique, enfin l'élément de moteur de base, on ne le met pas. Là, on a l'élément de moteur électrique. Nickel. Qu'est-ce qu'on peut faire? Du combustible. À quoi ça sert? C'est pour les véhicules, je pense seulement. Ouais, c'est ça, c'est que pour les véhicules. On n'utilise pas de véhicules. Mais il va me le falloir pour aller chercher ça de toute façon. Est-ce qu'on a autre chose? Les storehouse. Très utile. Et des 6x6 containers. Allons les chercher. Ok. Bon, bah épisode intéressant, je pense. On va s'arrêter là. On a réussi à mettre en place. Alors, c'est pas énorme. Plus tard, on pourra y mettre des bacon. Pour accélérer un peu le truc. Mais voilà. Sachant que... Regardez, ça commence à se stacker. Voilà. Bon. Ah! Je pense que ça va être la routine de fin de partie. Pas de poutre en fer, dis donc. Poutre en fer dessus. Poutre en fer. Beaucoup trop de moteur, si vous voulez mon avis. Bon, je peux garder ça. On va vider un peu les stocks. Là, les moteurs. $250, ça devrait être bon. Qu'est-ce que j'avais d'autre? Ça. Ça. Ah voilà, on fait de la place déjà. C'est un peu mieux. L'éolienne. Ouais, l'éolienne. Bon, si un jour j'ai besoin de poser de l'eau. Et ben voilà, nickel. Du coup, non, poutre en fer, tu. Poutre en fer. C'est là, les poutres en fer. Voilà. Oh là là. On va même doubler, hein. Parfait. Ah, j'ai un souci, dis donc, chef. Marche vachement mieux. Quand on connecte les choses, ça marche mieux. Voilà. Et là-haut? Et là-haut, on est... Oh merde. Tir effectué. Zéro. Ok, bon, bah c'est génial. Je peux pas en faire deux de plus là. Non, il me manque de la biomasse. J'ai pas 400 de biomasse là? Ah si, j'ai les 400. Une, deux. Parfait. Bon, bah là déjà, regardez. Comme on recherche plus de scientifiques, de recherche militaire, voilà, c'est complètement stock. Parfait. Et au niveau de notre gaz de pétrole, on est à 100 sur 100. Et au niveau de l'oxygène, on est aussi à 100 sur 100. Super nouvelle. Bon, YouTube, c'est le moment de faire une pause. On se retrouve pour la mise en place des batteries au prochain épisode. Ciao, ciao, amusez-vous bien.